Hey. Vision mobile, c'est possible. Bienvenue dans le royaume des chocos. Vision nutrit nos cerveaux. On blague les go avec ta loco. Avec iPhone de nos potos. Bienvenue au quartier Bastos. Ceux qui mangent riz sans sauce. Font malin comme bébé sans os. Pourtant tu mènes une vie atroce. On n'écoute plus nos grands frères. Et même sont devenus sous la bandit ou drogué. Nous chou quoi clé. On remplit tous les fumoirs. Pantalon plaqué avec sachet. Calés sont toujours noirs. Y'a tellement de choses à dire. Donc je mets une pause. Ma chérie tes seins sont tombés. C'est naissance ou ménopause. On veut changer de vie. Faut pas chauffer le banc de l'église. Drogue, sexe, argent nous détruisent. Ça fait quoi Cédric quand on sort de prison? Mais laisse-moi d'abord déposer la masse. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois que t'es encore fâché contre moi là, mais qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi t'aider. Laisse-moi me marier. De quelle aide tu me parles? Tu penses que je vais retenir dans cette ville de débauche? Arrête de m'emmerder, mec. Ah, mec. Intéressant d'attendre ça. Penses-tu que la prison ça fait changer les gens? Au contraire, elle nous aide à méditer plus fort et à être plus fort encore dans le mal. Tu aurais dû être professeur de philo, que de perdre ton temps à être un sale dieu. C'est moi qui décide de tout, tu as compris? Te voilà aujourd'hui en train de gérer une salle de gym. Oh, au contraire, une salle où les enfants viennent ramasser des boîtes. Ah bon? Ces boîtes-là me permet de gagner ma vie, dignement et sainement. C'est pour juste baisser seulement quoi. Viens avec moi mec, j'ai un bon deal pour toi. Tu penses que ta connerie peut m'influencer? J'ai changé de vie mec. Ah Cédric, écoute, un prisonnier reste un prisonnier. Tu penses que la société va t'accepter ainsi? Soit tu travailles avec moi, soit tu es mon ennemi. Moi aussi j'ai perdu des parents. Des filles, des frères. Écoutez-moi, Baron. Je ne veux plus travailler avec vous. C'est clair et c'est net. C'est terminé, ça. As-tu pigé? Saddam! Ouais, le Baron. Allons-y. Il n'est plus des nôtres. Considère-le désormais comme étant un ennemi. Retiens-le bien. Les balles ne connaissent pas l'identité. Ton grand-nom ne veut plus gérer quoi. Ouais, écoute, j'ai déjà fait quelque chose. Écoute mon pote, mais viens jouer au basket, ça va t'arranger. Je crois qu'il y a assez causé avec toi pour aujourd'hui. Hein. Je m'en vais. Hey Joe, mais calme-toi, je rigolais. Ah toi aussi, donne-moi deux sommets et tu vas un bon bar à même. Keu, keu. Bienvenue en RDC, c'est un duo royaume de Choco. Coco, ici, quand t'as iPhone 11, où t'es guy, y'a tes livres, le toto. T'es comme Boko Haram, je suis bombarde, mais c'est ta bouche, un comme Toto, le tournoi, je suis fier, on a diplôme, on a plus de chance de gagner. Toto, mais qu'on vous, chez nous, les gars, chez nous. Tu lis quoi, même? Hey, Nobi, Nobi, à quoi? Hey,
Y a quoi? Ah, ma mère Coulette. Tout le monde mérite d'être riche. Là, j'ai envie de tuer les. Donne-moi ça. Plus de là, tu veux rien. C'est à force de lire ce genre de livre. Tu as fini par être un philosophe, voulait être un homme riche. C'est pas grave. Toi-même, actuellement, tu fous quoi? Et là, son métier est pauvre. Demain, tu vois l'homme sans. Ah, pour continuer. Pour continuer à lire des livres. C'est ça qu'on appelle la richesse imaginaire. Au lieu d'être riche, là, tu t'appauvris toi-même. Continue. Ah, la fois. Dis. Comme dans ce moment, d'ici deux jours seulement, il y a du travail. Hein? Oh, petit. Ah, ma mère Teresa. C'est chic, hein? Moi, je vais ma mère Teresa, moi, je vais ma mère Coulette. On va garder mon bout. Il dit d'ici deux jours seulement, quelqu'un va trouver du bar pour moi. Quoi? C'est quelqu'un qui a fait le travail pour toi, quoi? C'est un agent immobilier, ou bien? Oh, tu es plein en terre, même, Joe. Ou gratter ma amie, t'es mieux. Fou, là. Laisse le livre te blaguer. Faut te blaguer dans ton livre, moi, et pas. Moi, il y a mon bar là. Mon cher. Je vais lui montrer que c'est moi qui décide quand on me quitte. Mais vieux père, dis-moi, maintenant que Cédric n'est plus avec nous, on fait comment? On va faire sans lui et trouver quelqu'un d'autre. Mais vieux père, cette personne-là, est-ce une femme ou un garçon? Tu me poses trop de questions là, tu voulais nous envoyer ta soeur ou bien? Vieux père, ok en fait. Ceux qui mangent rient sans sauce. Faut m'aller.